الله يا مولانا الله 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 سيدي فيك رجانا Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Nous nous retrouvons pour une nouvelle édition de Webjama consacrée ce soir au soufi et juriste marocain Mohamed El-Haraq, son œuvre spirituelle et juridique. Pour en discuter, nous avons le très grand plaisir de recevoir notre frère, le docteur Tariq Abounour. Enchanté. Tariq Abounour, assalamu alaikum. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes théologien et chercheur en droit musulman. Vous dirigez l'IESIP, Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris, et vous êtes aussi le porte-parole du CIFI, le Comité indépendant des finances islamiques en Europe. Mais si vous êtes parmi nous ce soir, c'est surtout parce que vous avez consacré votre thèse de doctorat, soutenue en 2019 à l'École pratique des hautes études, sous le titre « Le soufi et juriste Mohamed El-Haraq, son œuvre spirituelle et juridique », titre que nous avons repris comme thème de notre rencontre de ce soir. Précisons tout d'abord, pour nos amis internautes qui ne le sauraient pas, que Mohamed El-Haraq est lié à ce grand mouvement de renouveau spirituel qui, au XIXe siècle, a pris naissance au nord du Maroc, puis s'est étendu à travers tout le Maghreb et le reste du monde musulman. C'est le grand maître Moulay El-Arabi El-Draqawi, considéré comme le rénovateur de la tradition spirituelle de l'islam dans son siècle, qui en a été à l'origine, et dans son sillage, des personnalités remarquables telles que Mohamed El-Haraq ont perpétué ses enseignements auprès d'un nombre toujours plus croissant de postulants à la voie soufie. C'est ce mouvement de renouveau qui fut baptisé Tariqa Dirqawiya Shadiliya, en référence tout d'abord au cheikh Dirqawi lui-même, mais aussi à la voie tracée par l'imam Abul Hassan Shadili, qui fut lui aussi en son temps, le XIIe siècle de l'ère courante, le grand rénovateur d'une école spirituelle remontant au prophète Mohammed, que la grâce divine et la prière soient sur lui. Mais revenons, si vous permettez, à Sidi Mohamed El-Haraq. Vous vous êtes livré, Tariq, à une analyse minutieuse tant de ses écrits de nature juridique que ceux à vocation plus spirituelle, ses commentaires des écrits des grands maîtres soufis du passé, ainsi que ses odes mystiques. Mais vous avez aussi analysé les écrits de la plupart de ses biographes. Avant que nous n'abordions plus en détail ce que nous a légué El-Haraq, pourriez-vous nous présenter le cadre politique et socio-religieux du Maroc du XIXe siècle, et en particulier celui des villes de Fès et de Tétouan, qui jouèrent un rôle considérable dans l'évolution tant intellectuelle que spirituelle du jeune Mohamed El-Haraq? D'abord, merci pour cette aimable invitation, cette initiative aussi de remettre en avant et de faire connaître notre patrimoine riche, et notamment les grands saints, les grands savants, parce que Mohamed El-Haraq, il avait cette, entre guillemets, lumière à la fois de la science exotérique, sharia, et ésotérique, science gustative, qu'on appelle la spiritualité musulmane, ou le soufisme. Alors, pour déjà nous remettre dans le contexte, on est au 19e siècle, Mohamed El-Haraq est né à Chefchaouen en 1772, fils unique, donc d'une famille noble, chérifienne, donc remontant
aux frères de Moulay Abdeslam Ben Machiche, le pôle occidental, appelé le pôle occidental, et le pôle oriental Moulay Abqad al-Jilani à Bagdad, et le pôle occidental Moulay Abdeslam Ben Machiche, qui a laissé un disciple unique, Abul Hassan Shadili, comme vous le savez, qui va être l'initiateur de la Shadiliya et qui va donner naissance aux ramifications dont la Darqawiya et celle de Mohamed al-Harraq plus tard. Le contexte était évidemment une période charnière. Vous savez, Fès et Tétouan, deux villes à la fois culturelles, spirituelles. Fès, la capitale spirituelle, culturelle, scientifique, avec l'éminente université mosquée Al-Qarawiyyin, qui est, entre guillemets, la plus ancienne université du monde encore en activité. C'est une femme, Fatima Al-Fahriya, qui en était à l'origine. Qarawiyyin, donc, un grand flambeau lumineux qui a vu naître les grands savants de l'islam, mais pas que, il y a aussi des dignitaires non musulmans, comme le pape de Rome de son époque, ou comme Maïmounides, etc. Donc, le fameux Averroès, Ibn Rushd, ou Ibn Khaldoun dans la sociologie. Donc, il est évident que Fès, à travers Qarawiyyin, mais pas que, il y a aussi une vie spirituelle intense et jusqu'à aujourd'hui hein, à Fès. Tétouan aussi, parce que carrefour des cultures, puisque vous savez, après ce qu'on appelle la chute de Grenade, 1492, il y a eu un afflux massif des juifs et des musulmans andalous vers le nord du Maroc, et pas que le nord du Maroc, le nord du Maghreb, mais la ville de Tétouan était justement la ville qui a vu justement venir une grande majorité d'Andalous et d'Andalous. Et la naissance de Chefchaouen, la ville de naissance de Mohamed Harraq, est une ville complètement, parfaitement andalouse. Donc, on est justement dans l'héritage ibérique, très important. Donc il y a ce mélange, cette rencontre, ce fameux carrefour des cultures, culture andalouse, culture orientale, culture maghrébine, berbère, arabe, mauresque, donc une richesse culturelle déjà, et linguistique. Mais pas que. Il faut savoir aussi qu'au XIXe siècle, il va y avoir les ambitions des grandes puissances coloniales, notamment pour le cas de notre étude, l'Espagne. On va voir l'invasion de Tétouan en 1860 après, ce qu'on appelle Harbo Tétouan, et la France. Le 19e siècle est aussi le témoin de grands changements, puisque c'est la déconfiture des Ottomans, surnommé depuis l'homme malade de l'Europe. Donc, les grandes puissances se sont, entre guillemets, partagées ce qui pouvait rester de l'héritage ottoman, et les pays qu'ils ont vu fragiliser petit à petit, comme le Maroc, qui était jusque-là indépendant du pouvoir ottoman. Un fait marquant aussi de ce 19e siècle, l'apparition d'un mouvement littéraliste en Orient, dû à un certain Mohammed ibn Abdouhab, 1750, donc on est en 1750, qui va, grâce à l'Empire britannique, qui avait des ambitions au Moyen-Orient et pas qu'en Égypte, va avoir un essor, un destin incroyable, puisque ses lettres vers les différents monarques et le retour, la réponse des grandes autorités religieuses de cette époque qu'on va tracé, avait aussi son impact sur la vie religieuse et intellectuelle du Maghreb de l'époque. Donc, par exemple, le sultan de l'époque avait mobilisé les ulama al-Qarawiyyin, notamment Abdelmajid Ben Kiran, pour répondre à la lettre de Mohammed al-Buhab, qui prétendait que les musulmans vivaient dans une espèce de shirk, de culte de saints, etc., qu'il appelait un certain tawhid. Et les savants de l'époque, évidemment, lui ont répondu, Coran et Sunna à l'appui, donc texte scripturaire à l'appui, que c'est lui qui était dans l'égarement et pas la Ummah, la communauté des musulmans. Mais évidemment, ce mouvement avait pris beaucoup d'ampleur grâce à l'aide
au financement et à l'armement britannique, puisque l'Empire britannique l'avait pris comme bouclier contre les Ottomans déclinants. Et vous allez me dire, mais c'est quoi l'impact sur le Maghreb? Bien sûr, il y avait ce qu'on appelle Fawj al-Hajj, c'est-à-dire les départs en voyage du Hajj, le voyage de la vie, vers le pèlerinage à la Mecque. Et c'est à travers ce voyage à la Mecque que les Marocains ont découvert ce mouvement. Certains notables de Fès et de Tétouan ont été impactés par ce mouvement, au point que le sultan lui-même avait demandé justement des écrits de nos savants de l'époque pour contrer ce mouvement naissant qui apparaissait à l'époque comme un mouvement réformateur, comme un mouvement autoritaire, comme un mouvement très violent, puisqu'on le sait aussi, il y a eu beaucoup de violence suscitée par ce mouvement. Donc, un ensemble d'ingrédients, si vous voulez, à la fois à l'échelle religieuse, à l'échelle intellectuelle, à l'échelle socio-économique aussi, puisqu'il y a eu les famines, les grandes disettes, à l'échelle aussi politique, parce qu'il y a eu une fragilité politique à l'époque, et une entre guillemets, déclinaison du soufisme traditionnel. Si ce n'est la présence de Sidi Ahmed Tijani au 18e et Moulay Rabih Darqawi au 19e, qui ont redonné au soufisme après la tariqa Nasiriya, ils ont redonné au soufisme ces lettres de noblesse avec leur charisme, leur science et leur spiritualité. Et donc, Mohamed al-Harraq, avant même qu'il soit investi et initié dans le soufisme, il était parmi l'élite scientifique, d'abord de Tétouan, puis ensuite de Fès, puisqu'il a fait ses études, il a terminé ses études à Al-Qarawiyyin, donc la fameuse université Al-Qarawiyyin. Il était destiné à une fonction de magistrat, de mufti, voilà, toute prête. Et on va voir ce qui va se passer et comment il va être empêché, entre guillemets, à exercer cette fonction dont il était digne, parce qu'il était, selon tous les biographes à l'unanimité, qu'ils soient des orientalistes ou des non-orientalistes, ils sont unanimes sur le fait qu'il était considéré à son époque comme le savant, le mufassir, notamment dans l'exégèse, comme étant la référence, et dans le fiqh malikite aussi la référence, puisqu'il maîtrisait à la fois l'aqida, le fiqh, et avant même d'être dans la spiritualité, il avait son ouvrage de fatwa, son ouvrage aussi de tafsir, qui malheureusement n'ont pas encore été étudiés et remis au grand jour. Voilà. Donc, comme vous dites, Mohamed al-Harraq a consacré de nombreuses études, du fait de sa formation initiale, aux commentaires juridiques de la tradition musulmane, et tout particulièrement de ceux de l'école malikite, toujours encore très présent à la fois au Maghreb, mais aussi en Afrique subsaharienne. Et il y aurait de plus comme une similitude de parcours entre sa vie et celle de son aîné, le juriste et soufi marocain Ibn Ajiba, Ahmed Ibn Ajiba, qui lui-même de plus fut rattaché à la même confrérie soufie que Al-Harraq, à savoir la Derqawiyya. En quoi ce rapprochement entre le droit ou fiqh et la voie ou tariqa, je devrais plutôt dire la consécration de la tariqa par la charia, a-t-elle permis justement un renouveau, une vitalité spirituelle au Maghreb au XIXe siècle? Et comment peut-on comprendre aujourd'hui les positions défendues par Al-Harraq au niveau du fiqh, et ont-ils encore une portée dans la conscience juridique de l'islam de nos jours? Alors, pour répondre à votre question de façon très précise, il faut que celles et ceux qui nous écoutent comprennent un contexte qui est quand même assez important. Sans lui, on ne peut pas comprendre le problème, ou plutôt la rupture entre soufisme et jurisprudence, ou soufisme et science juridique, ou science livresque, ou science exotérique, appelons-la comme on veut. Il faut comprendre qu'il y a une propagande
virulente contre le soufisme confrérique, qui ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'une époque lointaine déjà. Ibn Taymiyyah, bien que soufi lui-même, il était sourcilleux face à certaines confréries autoproclamées qui, justement, mettaient de côté ce qu'on appelait la charia, c'est-à-dire l'exigence de se conformer à la lettre des textes scripturaires. Cette entre guillemets vigilance, je l'appellerai comme ça, cette vigilance du faqih par rapport aux projections spatio-temporelles de la spiritualité, a donné suite à des réponses et à des épîtres pour justement écrire sur le sophisme et protéger, entre guillemets, le sophisme authentique des dérives et surtout des imposteurs qui n'ont absolument rien à voir avec le sophisme et qui ont utilisé le sophisme devenu populaire à des moments de l'histoire du monde musulman, pour leur fin terrestre. Al-Ghazali, Hujjat al-Islam, surnommé la preuve de l'islam, l'imam Al-Ghazali, dans son Ihya, il a réconcilié le sophisme avec le fiqh, grâce à son ouvrage, Le Renouveau. Il a fait cela de façon très profonde, au point que, à l'époque de Al-Ghazali, et quelques siècles plus tard, on ne pouvait plus critiquer le soufisme. Il était considéré partie prenante des sciences religieuses qui sont enseignées à Al-Azhar comme Al-Zaytouna, comme Al-Qarawiyyin. Le soufisme était, grâce à Al-Ghazali, grâce aux écrits de Al-Ghazali, parce que là, il a mis par écrit ce que les soufis avaient dans le cœur. Le soufisme, à travers la mise en avant de ce qu'on appelle Tariqat al-Junayd al-Salik, c'est-à-dire le Junayd qui est l'imam Ta'ifatayn, l'imam des deux groupes, qui a mis en avant ce qu'on appelle la charia, c'est-à-dire la conformité extérieure au même titre que la conformité intérieure. Bon. Donc, grâce à Al-Ghazali, grâce à son ouvrage, il y a eu cette réconciliation, et cette réconciliation, elle va durer donc, dans le temps. On ne considère plus, grâce à Al-Ghazali, les prodiges des saints comme étant une hérésie. On ne considère plus la spiritualité comme étant quelque chose d'étranger à l'islam. Au contraire, on considère ça partie prenante de l'islam. On l'appelle même tazkiya, conformément à la parole coranique, « Qad aflaha man zakkaha », en parlant de l'âme, a eu le succès celui qui l'a purifié. Bon. Il va même plus loin pour considérer le soufisme comme le maqam, la station de l'ihsan, l'excellence, ou comme étant la science de purification du cœur, la médecine du cœur, de l'intérieur. Et on va même plus loin chez certains grands soufis, comme Liusi ou comme Muhtasib Soufiya Cheikh Ahmed Zarrouk, comme un fardou ayn, une obligation individuelle pour celui qui veut justement combattre ces deux ennemis fatals, à savoir Satan, deux ennemis invisibles, Satan, et Nafs al-Ammara, c'est-à-dire l'âme instigatrice du mal, dans sa forme la plus bestiale, qu'on appelle l'Ammara. Très bien. Il a fallu attendre justement le XVIIIe siècle pour avoir à nouveau les détracteurs les plus virulents du soufisme et leur impact sur la vie culturelle et spirituelle des Zawiyas, qui sont les fiefs de la pratique soufie. Et donc, les grands juristes à l'époque, jusque-là, étaient aussi des soufis. Et on ne pouvait pas considérer un juriste, respecter un juriste, s'il n'était pas protégé par l'éducation spirituelle, donc s'il n'était pas dans la compagnie d'un maître spirituel authentique, vivant. C'était un postulat. On disait même « Mella shikhala fa shaitan wa shaykhwa » « Celui qui n'a pas de maître, Satan sera son maître ». C'était un postulat, quelque chose d'admis. Malheureusement, ce postulat va disparaître petit à petit, y compris dans les grandes universités, sous la pression de certains pouvoirs. Par exemple, Al-Qarawiyyin, on étudiait à l'époque les commentaires des sagesses de Ibn Atta Allah al-Iskandari,
Ça a été retiré dans la fameuse réforme de l'Qarawiyyin, à l'époque au XIXe siècle. Et il y a eu une vraie rupture avec l'islam authentique classique, qui a ce trio, Aql al-Ash'ari, Fiqh Malik, Tariqat Junayd Salik, comme l'a dit Ibn Ashir dans son Nadl, c'est-à-dire le dogme Ash'ari, l'école malikite, si on parle du Maghreb, et la voie soufie junaïdite. Ce trio va petit à petit disparaître. Ça ne va plus être une doctrine d'État. Ça va effectivement petit à petit s'estampiller et s'éclipser dans les Zawiyas, qui a repris le flambeau. Et donc, le souci de cette rupture, c'est justement la biographie de Mohamed Harraq qui nous donne le meilleur exemple. Puisque le Harraq lui-même, étant jurisconsulte, faqih, au vrai sens du terme, il est allé très loin, il était le plus loin possible dans ses études religieuses, au point d'être promis à la magistrature, à la grande fonction de la fatwa, au point qu'il a failli être appelé par le sultan lui-même pour occuper la plus grande fonction à l'époque religieuse, devenir une autorité religieuse. Il a été victime de la jalousie de qui ? Des fuqaha. D'abord de Tétouan, puis ensuite de Fès. Et d'abord de Fès, pardon, et ensuite de Tétouan. Et à Tétouan, justement, quand il a été, entre guillemets, chassé de Fès à cause de la jalousie et nommé à Tétouan dans la grande mosquée de Tétouan, on lui a tendu un piège. Les fuqaha, à leur tête, chef de file, Fril Hayek, lui a tendu un piège, par jalousie. Lui-même, il le dit, justement, c'est que un faqih qui ne s'est pas abreuvé de cette science gustative, qui n'a pas cette crainte révérentielle, il va être dans la lettre, dans la forme. La crainte d'Allah, le scrupule, la conscience ne va pas être éveillée. Et donc, on a fait témoigner contre lui plusieurs personnes. On a payé une prostituée pour qu'elle puisse le faire semblant de lui poser des questions dans son mihrab, isolé, et ensuite, en sortant avec lui, ils l'ont accusé à tort d'adultère dans la mosquée. Évidemment, tout le monde savait que c'était faux. Mais le qaïd de l'époque, celui qui gouvernait, n'a pas voulu créer une fitna et il a été injustement licencié de toutes ses fonctions. Il s'est retrouvé du jour au lendemain chuté d'une station socialement la plus haute, puisqu'à l'époque, il était référent religieux, chouchouté, respecté, consulté par les autorités, par les personnes de l'ANDA, par tout le monde. La chute était vertigineuse. Étant malade, il a failli mourir. C'est là où il a écrit sa fameuse Humziya. Et il a fait un doua. Il s'est dit, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être Dieu, Allah, veut me donner un message. Il faut que je décrypte cette épreuve. Et il a dit à Dieu, il est tombé gravement malade, il a dit à Dieu, si, il a fait une promesse, un vœu, si tu me redonnes la santé, eh bien, je vais justement me donner à toi et aller dans ta voie sans craindre personne. Pourquoi il a fait ce doua ? Parce qu'auparavant, vous m'avez parlé de son aîné Ibn Ajib al-Hassani, qui a été initié par Cheikh al-Bouzidi, qui est lui-même disciple de Moulay Rabi al-Darqawi. Ibn Ajib al-Hassani, son aîné, il a vu en Muhammad al-Harraq quelqu'un de sincère, un grand savant de son époque. Et Ibn Ajib, à vrai dire, il avait, entre guillemets, un espoir que Muhammad al-Harraq rentre aussi dans la voie et soit un défenseur de la voie d'Al-Qawiyya, par sa plume, par son aura. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné comme cadeau son tafsir magnifique, extraordinaire, qui s'appelle Bahr al-Madid fi tafsir al-Qur'an al-Majid, qui est un merveilleux tafsir, à la fois bil-ma'tour, bil-manqoul et bil-ishara, c'est-à-dire il a allié, c'est un magnifique exégèse coranique, qui a allié à la fois l'interprétation du Coran par le Coran et par la Sunna, et par les paroles de savants, mais aussi l'allégorie, l'allusion, l'intérieur. C'est magnifique, c'est une œuvre spirituelle et scientifique
de la plus haute importance. Et Ibn Ajiba, il l'a fait avec l'autorisation de son maître. C'est son maître, c'est lui, l'Arab al-Darqaoui lui-même qui a ordonné à Ibn Ajiba d'écrire cet ouvrage. Il l'a fait avec ce qu'on appelle idn, une autorisation de son maître. Très bien. Et Mohamed al-Harraq, il a pris le livre par convenance, par adab, mais il ne l'a pas lu. Il n'a pas pris connaissance du contenu de cet ouvrage. Pourquoi, nous dit-il plus tard? Parce qu'il avait une crainte en lui, s'il le lise, qu'il se mette du côté des soufis et ça lui créera vraiment un problème avec l'autorité, avec les personnes qui l'ont nommé à la tête de ces institutions à l'époque les plus hautes. Et donc, comme quoi il avait, entre guillemets, un petit regret. Parce qu'il n'avait pas... Et donc avec cette maladie, si vous voulez, c'est comme si Dieu a voulu lui donner une espèce de retour. Retour à cette case où il avait rejeté, pas rejeté au sens brutal, mais mis de côté ce trésor et il n'a pas voulu finalement donner suite et comprendre ce que vivent les soufis. Donc là, il s'est détaché de tout. Il a eu ce qu'on appelle dans le jargon « l'inkisar », cette remise confiante à Dieu, ce sentiment d'humilité profond, et il était complètement prêt à tout faire pour son Seigneur, complètement détaché. Et les biographes racontent justement quelque chose d'assez extraordinaire, bien sûr de l'ordre de l'extraordinaire, du gustatif, que l'Arab al-Darqaoui était avec son disciple Mohamed al-Bouzidi et lui a dit « Toi, tu as trouvé, entre guillemets, la perle rare, Ibn Ajiba, et moi, c'est aujourd'hui que je vais appeler ma perle rare. » Il y avait un verre d'eau. Il lui a dit « Voilà, j'ai pêché ma perle rare aujourd'hui. » Et donc, il envoie son cheval. Et le cheval s'arrête, par miracle, devant la porte de Mohamed al-Harraq. Mohamed al-Harraq était reclus chez lui depuis cette catastrophe qui a sali son image, qui a sali sa réputation, qui l'a valu un licenciement complet et parfait. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Quelques disciples de l'Arab al-Darqaoui, quand même, par pitié pour Mohamed al-Harraq, lui avaient suggéré de venir dans leur zawiya qui était hors contrôle de l'État pour donner quelques cours de fiqh, si ça pouvait lui faire plaisir, si ça pouvait entre guillemets, le réjouir. Mais Mohamed al-Harraq a préféré s'enfermer chez lui et être en retraite spirituelle pour Dieu. Jusqu'à ce jour-là, où ce cheval vient devant la porte de Mohamed al-Harraq. Mohamed al-Harraq comprend qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Il prend ce cheval, il monte sur ce cheval, et là, ce cheval se dirige vers Bni Zarwal, le fief de la Zawiya Darqaouia. On est en 1823. Et donc, al-Harraq rentre chez l'Arab al-Darqaoui. Et dès qu'il rentre chez l'Arab al-Darqaoui, il y avait une femme qui avait fait un jus sucré, et l'Arab al-Darqaoui donne à Mohamed al-Harraq le jus sucré. Harraq, il boit. Et il lui a dit, tu as hérité d'un secret que nul n'a eu auparavant. Les disciples de l'Arab al-Darqaoui n'avaient pas compris. Il dit, nous sommes avec toi depuis des dizaines d'années. Tu ne nous as pas fait ce privilège. Tu ne nous as pas confié ces secrets que tu viens dont tu viens de faire allusion pour le Fqih al-Harraq. Il l'appelait le Fqih al-Harraq à l'époque. Il était connu par le surnom le Fqih al-Harraq. Et donc, al-Harraq, après cette rencontre, il était bouleversé. On va dire la présence spirituelle, la lumière de l'Arab al-Darqaoui, l'aura de l'Arab al-Darqaoui, l'humilité de ce grand maître, ça l'a bouleversé. Il raconte en lui, quand il est revenu chez lui avec après cette nadra, cette rencontre, ce regard de l'Arab al-Darqaoui, il a dit « Toute ma tristesse était dissipée. Je n'avais plus cette épreuve en moi qui a été suscitée auparavant. Au contraire,
j'ai loué Dieu parce qu'il m'a fait connaître cette épreuve pour pouvoir sortir de moi-même, pour pouvoir me détacher, pour pouvoir me libérer des joues de mon orgueil, l'orgueil du savant, l'ego du savant. Le voile, il appelait plus tard, ça il va l'appeler plus tard dans ses épîtres, il a une cinquantaine d'épîtres que j'ai traduits, il va l'appeler les voiles lumineux, Hujub Nouraniya, qui sont plus durs à dissiper que les voiles ténébreux, parce que quelqu'un qui est dans le péché, il sait que c'est un péché. Il se repent à Dieu, et Dieu lui pardonne, et l'élève et le purifie. Mais un grand savant qui est voilé par... entre guillemets, sa position, il se prend pour je ne sais qui, cet orgueil justement qui vient de Satan, parce que c'est Satan qui était le premier à s'enfler d'orgueil, à dire « je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui ». Et donc là, Al-Harraq comprend ce qui se passe en lui-même. L'arbitre Darqawi, il lui a dit « Udkur wa dakkir », il lui a donné une autorisation parfaite, complète, absolue, de faire le dhikr par la ilaha illallah et d'enseigner le dhikr. D'initier à la voie soufie, d'initier les chercheurs de vérité, ceux qui cherchent ardemment et avec inkisar, toujours avec humilité. Évidemment, Mohamed Al-Harraq, il avait pris le soin avant de prendre la monture, avant de prendre le cheval, de se laver. Il s'est dit, peut-être c'est un grand rendez-vous, je me purifie extérieurement pour que Dieu me purifie intérieurement. Et sans le savoir, il avait refait un peu le même schéma que Abou Hassan Chadili dans son initiation auprès de Moulay Abselem ben Machiche, le pôle occidental. Et pourquoi je vous ai cité tout cela? C'est pour vous dire que la genèse de la doctrine de l'Harraq, elle vient de là, de cette épreuve. Premièrement, parce que, comme vous venez de l'entendre, il a goûté à l'amertume de la perversion des fouqaha de son époque. Comment on peut être faqih, savant, connaissant le Coran par cœur, la sunna, les mutun, et avoir une telle perversion? Oser faire du témoignage sur le faux. Oser accuser quelqu'un d'innocent, d'adultère. Oser causer du tort à une personne innocente. Il n'a pas compris le Harraq. Est-ce que le savoir divin peut conduire à ça? À quoi sert la science alors? À quoi sert d'être un faqih? Le bien fondé du fiqh. Il s'est posé des questions dans sa retraite spirituelle sur le bien fondé du fiqh. En 1823, lors de son initiation, il a 40 ans. C'est aussi un symbole. C'est un symbole parce que 40 ans, c'est l'âge aussi de la révélation coranique. Enfin, le prophète Samaï a eu la révélation à 40 ans. Et c'est aussi l'âge de la maturité spirituelle. Nous dit le Coran. Donc plein de symboles. Ces symboles réunis ont poussé le Harraq justement à développer une doctrine qui va certainement dans la continuité de la Darqawiya, mais qui va être différente. Je vais juste répondre sur le plan de la jurisprudence déjà. C'est pas un scoop de dire que ce travail de liaison organique entre le soufisme et la jurisprudence n'est pas l'œuvre de l'Harraq uniquement. Avant lui, comme j'ai dit, il y avait Liusi, il y avait Hassan Liusi, bien sûr, il y avait dans ses Rasa'il, ses épîtres, il y avait Ahmad Zarruq, il y avait l'Izz ibn Abdussalam, Sultan al-Ulama, il y avait le Ghazali, comme j'ai dit, etc., etc. Ce sont tous des grands savants juristes. Savants, juristes, et soufis, maître soufis. Ils ont allié en eux le soufisme et la jurisprudence, le fiqh. Au point que Ahmed Zarruq, on lui attribue la sagesse suivante, « Man tafaqqaha wa lam yatasawwuf, faqad tafassaq. » Celui qui a le fiqh, qui a cette science livresque du droit musulman, mais qui ne la protège pas par le soufisme, par la compagnie des maîtres spirituels, par la spiritualité, la purification, il devient pervers. وَمَنْ تَصُوَّفَ وَلَمْ يَتَفْقَهْ فَقْتَزَنْدَقْ. Et celui qui a le soufisme, mais qui ne va pas protéger cette spiritualité par la science livresque, la science exotérique, l'ilm, la science religieuse, le fiqh, il peut devenir hérétique, il peut dévier vers l'hérésie.
Et celui qui aligne les deux, qui concilie les deux, est le parfait réalisé. وَمَنْ جَمَعَ بِنَوْمَ فَقَدْ تَحْقَقْ. Ibn Ashir nous dit, c'est pour ça l'épître dans le maître d'Ibn Ashir, on retrouve les trois. On retrouve le fiqh, l'aqida et la spiritualité alliées. Ça correspond aussi dans le Coran à cette notion de kitab, livre, hikmah, sagesse, tazkiya. Alim al-kitab, hikmah, tazkiya, purification. Donc, al-Harraq, il a voulu continuer dans ce sens. Pour lui, la bonne pratique du fiqh, un vrai faqih, c'est celui d'abord qui a cette initiation spirituelle, qui va chercher à se purifier. C'est pour ça que dans sa voie, désormais, il ne peut plus accepter des personnes dans une initiation spirituelle sans qu'ils passent par la case apprentissage du nécessaire des sciences de religion. Il avait des assemblées de ilm, de sciences, où il enseignait à ses disciples d'abord la science religieuse avant de les initier dans la spiritualité. Et il conseillait aux fuqaha de s'ouvrir vers la spiritualité pour ne pas rester sclérosés dans une lettre qui va les faire perdre. Et comme le disait Ibn Arabi lui-même, ils deviennent corrompus et au service de la tyrannie, au service de leurs instincts bestiaux, au service de leurs intérêts terrestres, comme Fiqih al-Hayek à l'époque, qui voulait absolument le poste de l'Harraq. Par jalousie, il y a eu ce complot contre lui. Donc ça, c'est un premier élément très important dans cette liaison organique entre le fiqh et soufisme, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et je continue, parce que pour moi, c'est vraiment une nécessité d'allier le fiqh et le soufisme. Le soufisme seul ou le fiqh seul, ça ne va pas. C'est-à-dire, le soufisme, c'est la médecine du cœur, le fiqh, c'est la médecine du corps, comme le disait Ahmed Zarrouk. Et comme le disait aussi dans ses furuq aussi, le fameux maqasidi al-Qarafi. Très bien. Donc, al-Harraq, il était armé justement d'une science religieuse inégalée, puisqu'il avait le Coran par cœur, la Sunna, il avait l'imoutoun de son époque, le matritiya, le mustrelaja, le wadiha, le mudouana, tout ça par cœur. On le voit dans son grand ouvrage de fatwa, compilé par son élève, le Mahdi Belkadi. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et je vous ai dit que sur le plan purement scientifique, un premier rapport, c'est que al-Harraq, il veut que le soufisme soit protégé par le fiqh et que le fiqh soit protégé par le soufisme. C'est une évidence. Et sa relation avec son aîné Ibn Ajiba, justement, quand il va se rappeler de cette rencontre, c'était la seule d'ailleurs, il va se remémorer toutes les souffrances qu'a connues son aîné Ibn Ajiba avec les détracteurs du soufisme et les complots que Ibn Ajiba lui-même a eu, parce que Ibn Ajiba lui-même, on a saccagé ses zawiyas. Et il a été privé de sa liberté parce qu'il était un soufi authentique, un soufi qui n'aimait pas l'injustice. Al-Harraq, au-delà évidemment de cette science livresque, là il va être initié. Deuxième élément important dans cette initiation, et là c'est pas le faqih, c'est le soufi, il va y avoir cette beauté, Jamel, qui va marquer toute sa vie spirituelle et toute l'initiation de ses disciples. Parce qu'il dit que j'ai reçu cette voie par la grâce, et donc c'est par la grâce que je guide. Le fadl. Akhattu hadha at-tariq bil fadl. Fa bil fadl ihdi. Et cette grâce, on va la retrouver dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler, dans l'audition spirituelle, sama', dans sa musique, qu'il utilisait justement pour adoucir les cœurs et pour frapper aux portes des cœurs, pour les amener vers Dieu. Et la transformation du répertoire arabo-andalou, profane, vers un patrimoine spirituel. Et on lui doit des naubas, on lui doit tout un répertoire de chants spirituels soufis magnifiques qui est chanté jusqu'aujourd'hui dans les grands événements au nord du Maroc, et pas que au nord du Maroc, même ailleurs. Sultan Abdelhamid Thani, à l'époque, quand on lui récitait les chants de l'Harraq, il était dans un état second, tellement c'est beau, tellement c'est profond, parce que ça sortait du cœur de quelqu'un qui a connu ce qu'on appelle Fatih, l'ouverture. Et cette ouverture qu'a connu le Harraq dans le jargon du soufisme, Fatih,
c'était pas le fruit d'une khalwa, d'une retraite spirituelle ou d'exercice spirituel dur avec, comme son aîné Ibn Ajiba l'a connu, la faim, la soif, la veille, les prières nocturnes, le jeûne tous les jours, la mendicité pour casser nefs, c'est ce qu'on a imposé au frère Ibn Ajiba. C'était terrible, terrible ce qu'on lui avait imposé pour casser son âme égotique. Je pense qu'aujourd'hui, dans le référentiel actuel, personne n'acceptera cette humiliation pour entrer dans la voie soufie. Al-Haraq, il était l'inverse. Il voulait la tahliya avant la tahliya, c'est-à-dire le fait de se parer de ce qui est beau, avant de combattre, de faire ce grand jihad, petit à petit, contre l'âme charnelle et Satan. Aussi, une grande différence avec la tariqa d'Al-Qawiyya de base, c'est les positions d'Al-Haraq vis-à-vis du monarque et vis-à-vis des grandes personnalités de son époque. Comme on va le voir tout à l'heure, il était dans une position de juste milieu entre la position de la d'Al-Qawiyya qui était hostile et qui n'hésitait pas à le montrer au point que d'Al-Qawiyya va être emprisonné. Et une passivité de d'autres confréries qui existaient à l'époque que Al-Haraq dénonçait. Donc il n'était ni passif, ni entre guillemets dans une confrontation directe contre l'injustice ou contre une certaine forme de pouvoir tyrannique. Il était entre les deux. Et pour vous démontrer qu'il était loin d'être passif, en étant maître d'une voie spirituelle, il était aussi partenaire des grands héros de la libération, des grands héros qui ont combattu le colonisateur, comme l'amir Abd al-Qadir al-Jazairi. Puisque j'ai traduit ici les échanges, les lettres précieuses d'échanges entre l'amir Abd al-Qadir al-Jazairi, qui à l'époque combattait les colons avec des moyens rudimentaires, et l'Harraq qui était à Tétouan. Et l'amir Abd al-Qadir, il confiait à Mohammed al-Harraq, à la fois ses doutes et ses certitudes, les pertes qu'il faisait subir aux colons et les pertes qu'il subissait, et il lui demandait, il l'appelait Shaykhuna, notre maître, et il lui demandait du'a, et al-Harraq, de son côté, le conseillait de façon aimable et le soutenait, bien sûr. C'est vrai qu'il y avait toujours cette relation, qu'il n'y a pas vraiment de frontières entre les peuples, et que Al-Harraq, comme Tarqawi d'ailleurs, et comme Ahmed Tijani avant eux, ils étaient investis dans cette fonction du jihad al-Asghar, dans le vrai sens du terme, et non pas dans le sens galvaudé, le jihad, c'est-à-dire cette défense légitime de la patrie contre l'oppresseur, contre l'envahisseur. C'est donc sous le signe de la beauté, le Jamal, que se manifeste le mandat spirituel de Mohammed Al-Harraq. Vous nous indiquez que son enseignement est orienté vers une réforme du soufi, de la voie soufie, en s'appuyant sur quatre piliers, à savoir le dhikr, ou invocation de Dieu, la mudakara, ou échange verbal pour l'éducation des disciples, le ilm, c'est-à-dire la science utile, et la mahabba, l'amour. Pourriez-vous développer ces quatre points ? Bien sûr, alors... Très simplement, quand Al-Harraq a fait ses premiers pas dans le soufisme, il y avait déjà des formes de soufisme qui existaient, et il y avait déjà une publicité, une propagande, on va dire, très active à Tétouan contre le soufisme. Il fallait d'abord combattre les préjugés, et c'est son rôle de juriste, de faqih. Il fallait d'abord redonner aux pratiques soufis toute leur légitimité. C'est pour cela qu'il y a la fameuse mudakara, c'est-à-dire le rappel, les cercles scientifiques, qu'il animait lui-même. Les gens venaient de très loin, y compris d'Orient, pour assister à ce cercle scientifique de tafsir, l'exégèse du Coran, de hadith, etc. Et il était évidemment, après... qu'on lui a donné la reconnaissance, parce que après l'épreuve, après
cette épreuve qu'il a dû subir. Il a eu la reconnaissance après et il a été parfaitement innocenté. Donc, Mudakara, c'est un pilier. Pourquoi ? Parce qu'il faut préserver le sophisme authentique des intrus. Dhikr, parce que tout simplement, l'invocation d'Allah abondante, c'est le cas de toutes les voies soufis qui se respectent, les voies soufis authentiques. Dhikr, l'invocation abondante de Dieu, parce que c'est ce moyen de dhikr, qui a été cité plus de 80 fois dans le Coran, qui permet l'apaisement, la paix du cœur. Et c'est avec le dhikr qu'on peut justement initier le combat contre l'âme charnelle, nefs l'ammara bissou et Satan. C'est à travers le dhikr qu'on évolue spirituellement d'état en état, min hal ila hal, et de maqam, de station vers station. Les 9 stations de la certitude jusqu'à la station sublime, ultime, qui est l'amour, le mahabba, qui est tajul amal, le diadème des œuvres et la monture des esprits. Et le dhikr, justement, chez tous les voies soufis, il est manchour al-wilay. C'est la garantie de la sainteté. Et c'est le meilleur des actes. Wala dhikrullahi akbar. C'est ce qui permet aux disciples qui débutent de se débarrasser des mauvaises habitudes petit à petit. C'est ce que je vous disais, tahliya. Comment opérer un changement chez quelqu'un ? Ce n'est pas avec le blabla, ce n'est pas avec la parole. La parole est loin d'être suffisante pour convaincre quelqu'un de changer ses mauvaises habitudes vers les bonnes habitudes. Mais le dhikr, c'est subtil. Quand on te donne cette ordonnance spirituelle de faire la ilaha illallah, de répéter plusieurs fois le matin et le soir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est incroyable. Chacun peut le tester. Et le Harrar, quand il donnait cette injonction de dhikr, et quand il animait les cercles de dhikr collectifs, il aura plus tard ses zawiyas, il ne faisait que suivre les pas du prophète Sama et les pas de son cheikh l'Arabi Darqawi, puisque sur le plan spirituel, ce disciple qui vient pour la première fois découvrir, il baigne dans cette grâce, il baigne petit à petit dans cet univers de connexion avec Dieu. Et quand tu fais le dhikr, tu es connecté à l'absolu, et donc l'absolu te purifie, l'absolu t'élève. C'est pour ça que c'est un pilier. Et ces 4 piliers que vous venez de citer, il les opère par une espèce de grâce. Il y avait les disciples de l'Arabi Darqawi qui s'habillaient avec le muraqqa'a, c'est-à-dire avec l'habit usé. Et ils reprochaient à l'Harraq de s'habiller de façon élégante, belle, et de demander à ses disciples de s'habiller de façon élégante. C'est une des transformations que l'Harraq a opérées dans la voie Shahd Iliyad Darqawiya al-Harraqiya. On lui reprochait cela, et il leur disait, de façon subtile, avec toutes les convenances évidemment, et l'élégance, il leur disait, le temps que vous passez à faire vos nœuds et vos muraqqa'at, nous, on le passe à faire la ilaha illallah, on gagne du temps. Donc, il dit, vous ne pouvez pas vous attacher à une forme de soufisme. Vous devez, encore une fois, revenir au sens et à l'essence du soufisme, qui est le cœur. Si le cœur est pur, n'importe. Ce n'est pas l'habit usé, ce n'est pas ta position devant les gens qui va changer quoi que ce soit. Tu es pur ou tu ne l'es pas. Et c'est le dhikr qui va te purifier. Donc, ça ne sert à rien de faire ostentation. Donc, il était même jusqu'à utiliser le mot ostentation de certains soufis pour se montrer humble, pauvre, indigent, etc. Regardez, nous faisons le dhikr avec leur chapelet autour du cou. Tout ça, Harraq ne voulait plus un signe ostentatoire de la spiritualité. Il voulait que la spiritualité soit quelque chose d'intime, de privé, qui rejaillit automatiquement sur l'intérieur et ensuite l'extérieur de la personne, sans forcément le montrer. Sans forcément le montrer. Donc s'habiller de la façon la plus élégante possible pour justement être l'ambassadeur de la beauté. Mais intérieurement, la personne est dans le dhikr,
La personne est avec Dieu. Le cœur est dans le royaume de Dieu. Le corps est investi par ses fonctions de la vie courante et assume ses responsabilités mondaines. Donc, ces piliers-là sont liés à l'initiation même de l'harraq, à l'épreuve qu'il a dû subir et à ce qu'il a vu autour de lui, son contexte. On dit que le soufi est fils de son temps. Il a vu justement les dégâts de ce soufisme archaïque traditionnel et il a vu que certains détracteurs avaient raison. Ils n'étaient pas en train de critiquer le soufisme pour rien. On dit dans le soufisme kullu munakkirin mudhakkir. Le détracteur est aussi un rappel. Et donc il y a eu une remise en question de la pratique soufie pour la remettre à l'ordre du jour, sans pour autant renier les fondements. Donc les fondements tawabit, on appelle ça les constantes, sont restés. Dhikr, mudakara, suhba, le fait d'accompagner le maître, d'être dans cette compagnie spirituelle des frères, il appelle ça la compagnie des frères. Ça revient tout le temps dans ses lettres, pour rester au chaud avec les frères, pour avoir toujours cette force spirituelle, il faut rester avec les frères, rester connecté dans la mahabba des frères, dans l'amour des frères, avec justement l'indulgence, la générosité, des fruits, parce que j'ai parlé des fruits de cette éducation spirituelle, parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits, justement. Et ses fruits étaient innombrables, et justement, le changement qu'il a fait opérer dans son milieu et au-delà de son milieu tétouané, c'est cela. C'est amener les gens avec douceur, avec beauté, vers Dieu. Le firaru illah, le fait d'aller vers Dieu, mais avec douceur, sans rigueur. Il y a eu une rupture avec la méthode de Mawlana Rabih Darqawi. Mais le respect est gardé, puisque quand on a remonté l'information à Mawlana Rabih Darqawi de son vivant, parce qu'il faut savoir que Muhammad al-Harraq a eu l'autorisation de son maître d'être maître, au vivant de son maître, avec le respect de son maître. Quand on a remonté l'information à son maître, comme quoi il a eu une rupture avec ta voix au Mawlana Rabih Darqawi. Regarde, Al-Harraq, il mange bien, il dort bien, il s'habille de façon élégante et il demande à ses disciples de faire pareil. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est en rupture avec ce que tu nous as enseigné. Il dit, non. Il a donné raison. Al-Harraq, il leur a dit, moi, si j'avais initié cela, c'est parce que j'ai vu que vous étiez attaché au bas-monde. Vous étiez assoiffé de bas monde. J'ai voulu vous sevrer par ces pratiques. Mais là, à force de pratiquer cette austérité, vous vous êtes attaché à l'austérité, vous avez oublié l'essence même de l'éducation spirituelle. Al-Harraq, il vous a réveillé. Et justement, on leur a dit, le soufisme, c'est kharq al-awa'id, c'est la rupture avec les habitudes. Et là, c'est comme si... En fait, les gens qui suivaient l'Arabi Darqawi de façon aveugle se sont un peu éveillés. Et donc, il n'y a à aucun moment de conflit ou de compétition entre le maître, l'Harraq, et son maître, l'Arabi Darqawi. Au contraire, le respect, l'égard sont restés et il ne citait que très élogieusement l'Arabi Darqawi, que ce soit de son vivant ou après sa mort. Et la preuve, il va défendre aussi les disciples de l'Arabi Darqawi quand ils vont subir les injustices de l'autorité locale à l'époque. Merci pour toutes ces précisions. Parmi les commentaires des écrits soufis du passé figurent notamment ceux de la prière sur le prophète, la fameuse Mashishiya d'Abdeslam ibn Mashish, dont vous avez parlé, vous avez évoqué le lien biologique qui existerait entre El-Harraq et le frère du saint. Il y a aussi ceux de la litanie de la mer, la Hizb al-Bahar de l'imam Abu al-Hassan al-Shadili, et il y a aussi les sagesses de Ibn Ataïllah d'Alexandrie, ces fameuses hikam. Tous les trois ont été des maîtres spirituels de la même lignée auxquels se revendique Mohamed al-Harraq. En quoi l'apport, le commentaire d'Al-Harraq présente-t-il une originalité par rapport à ceux qui auraient pu être écrits ou codifiés dans les temps passés? Est-ce qu'il y a une originalité spécifique aux travaux d'Al-Harraq à ce sujet? Bien sûr. Alors, évidemment, chaque auteur il a ses originalités et chaque œuvre, elle est l'empreinte de son contexte.
العربي الدرقاء محمد الحراق il a il nous a laissé un héritage riche qui n'est pas complètement aujourd'hui dépoussiéré. Il y a encore beaucoup de travail. Parmi les écrits qu'il nous a laissés, les 50 lettres de l'Harraq, qui ont été traduites ici, les épîtres, on appelle ça les épîtres. On connaît les épîtres de l'Arabie d'Al-Qaïm, mais on ne connaît pas du tout les lettres, les épîtres de l'Harraq, qui sont pourtant très riches, parce qu'on y trouve le texte scriptuaire Coran Sunna, vu le background de l'auteur qui est faqih. On y trouve des fatwas, on y trouve des réponses à des questions, on y trouve la notion du cœur avec ses strates, on y trouve des références à des grands soufis, c'est très riche. Il nous a laissé également les commentaires du Coran, qui on connaît le commentaire de Ibn Ajiba, mais on ne connaît pas du tout les commentaires de l'Harraq. Il nous a laissé aussi les commentaires du grand saint Ibn Attal al-Iskandari. Et il nous a laissé, comme vous dites, les commentaires de Salat al-Mashishia, qui est dû à Moulay Abdeslam al-Mashish, le pôle occidental. Ce commentaire, je l'ai traduit, il est dans l'ouvrage, traduit en français. Et l'originalité, en fait, de ce travail, de ce commentaire, c'est en fait la spécialité de l'Harraq, le fait qu'il soit hybride, qu'il soit à la fois faqih, formation jurisconsulte, très profonde, très marquée, traditionnaliste, et aussi soufi. Donc on retrouve dans cette litanie, dans le commentaire de la Salat al-Mashishiyya, on retrouve à la fois des références au Coran, à la Sunna, aux compagnons, quand il nous parle par exemple de Ashab al-Kahf, c'est-à-dire les gens de la caverne, et comme quoi ils se sont réfugiés pour Dieu, et Dieu leur a donné cette ouverture, et il s'est occupé d'eux. Et il parle aussi de Gharu Hira, il parle aussi de l'épreuve de la Hijra, plus tard, entre Abu Bakr et quand Sidna Abu Bakr a accompagné le prophète Sama dans ces circonstances très difficiles. Et il donne à la fois un sens exotérique et ésotérique. Il utilise, il s'abreuve, il puise dans le patrimoine connu, hein, le Coran, la Sunna, et aussi dans l'allégorie, le mégèse, l'allusion, les figures de style. Et c'est son élève Dilaï qui va justement dévoiler ce trésor, comme je vous le disais. Vous pouvez faire une lecture méditative pour déguster la beauté de ce commentaire. Et je vous disais donc, la principale spécificité, c'est que ce n'est pas juste un commentaire ésotérique. C'est un commentaire exotérique et ésotérique. C'est très profond, c'est très mystique. C'est vraiment une ingénierie spirituelle, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'il y a une beauté, une intelligence, une profondeur et presque une spontanéité. C'est fluide, c'est beau. Et quand vous le lisez, franchement, quand je l'ai lu la première fois déjà, on respire. On a, je pense que dans les commentaires, je n'ai pas trouvé d'égal. C'est quelque chose de, voilà, qui vous fait voyager à travers un autre temps où nos savants n'étaient pas simplement des savants de la lettre. Ils dépassaient la lettre. Chaque mot, il lui donnait pas seulement son sens, enfin, linguistiquement parlant, mais plusieurs sens, puisque la langue arabe est une très belle langue et elle se permet, enfin, on peut se permettre d'aller dans les profondeurs de sa beauté. C'est un océan sans rivage. Mais finalement, la grande originalité de Mohamed el-Harraq, ou bien disons la nouveauté qu'il aurait opérée dans les modalités de la pratique du dhikr, est-ce que ça ne serait pas justement l'introduction du sama, audition spirituelle, avec laquelle
El-Harak a combiné intelligemment à la fois poésie mystique et musique, en s'appuyant sur les poèmes mystiques de sa composition, dans la pure tradition arabe de la poésie profane ou de l'amour courtois, qu'avaient déjà utilisé certains soufis du passé, je pense notamment aux Andalous, Abou Madian et Choustari, ainsi que l'Égyptien Ibn al-Farid. Et il va introduire cette poésie dans les modalités pratiques des séances de dhikr. Il y a aussi la musique de tradition andalouse, dont les villes de Tétouan et de Fès, justement, vous l'avez indiqué, ont hérité suite à la Reconquista espagnole, où juifs et musulmans ont migré vers l'Afrique du Nord, et notamment vers le nord du Maroc, et ont transmis un petit peu cette culture musicale. Et c'est cet ensemble harmonieux, composé de musique et de poésie, qui va constituer le renouveau d'une spiritualité et s'inscrire durablement dans ce qu'on appellerait le patrimoine culturel du Maghreb, du Maroc en particulier, et en unissant de son empreinte toutes les couches de la société, et en contribuant à l'édification d'un patrimoine qui a même dépassé les frontières du Maghreb, parce qu'aujourd'hui il est présent dans l'intégralité du monde musulman. Comment peut-on comprendre cette fascination des peuples musulmans à cet héritage, ce patrimoine culturel qui associe à la fois musique et poésie? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié spécifiquement à l'âme musulmane, ou est-ce que c'est quelque chose qui, par essence, est déjà de nature universelle? Alors, je vais commencer par la fin. Effectivement, le sama, l'audition spirituelle, il a cette vocation universelle. C'est un langage des cœurs. Il frappe à la porte des cœurs sans permission. Quelle que soit votre langue, vous êtes attiré par la beauté. On parlait tout à l'heure de la beauté, c'est la marque distinctive de ce renouveau, hein, si on peut l'appeler renouveau à la fois au niveau du faire, comme je vous disais, par cette méthode basée, enfin, que j'ai décrit dans la thèse, basée sur une approche maqasid, objectif, et une approche spirituelle du fiqh, reliée à la fois au maqasid, aux objectifs, aux intérêts communs, mais aussi à l'essence du fiqh, qui est pour le cœur, pour servir, pas pour se prendre la tête ou se mettre en difficulté. Non, à travers les fatwas qu'il a fait, on voit ça. Mais comme vous pouvez l'imaginer, entre guillemets, être faqih et essayer par le fiqh d'avancer et d'attirer les gens vers Dieu, c'est peine perdue. Parce que vous êtes tout simplement dans la loi, dans la lettre. Dans la rigueur. Dans la rigueur. Et le prophète Sassama lui-même, quand il a commencé la da'wa, l'appel à Dieu, il n'a pas commencé par la loi. Les années mécoises étaient d'abord des années de aqida. Faire aimer le Créateur aux créatures. Les versets qui ont été révélés à la Mecque nous appelle à méditer dans la beauté de l'univers, donc les versets coraniques c'était révélé à la Mecque, c'était justement attirer les fidèles vers leur Seigneur par la beauté, par la méditation, par le zikr, par le fait d'avoir ce regard mystique, profond, méditatif à la création de Dieu. C'était cela. Et Aïcha a dit à juste titre, si le messager d'Allah, le dernier messager, Sidna Muhammad Sallam, avait commencé par la loi, par les interdictions, aucun ne l'aurait suivi. Il fallait préparer le terrain, préparer le cœur, qui est le réceptacle de la foi. Il faut d'abord que la foi s'introduise dans le cœur, illumine le cœur, qui est le lieu du regard divin et qui est le roi des membres, avant de pouvoir avancer dans la voie et la loi, dans la hariqa et la sharia. Et donc,
Al-Harraq a bien vu que le fiqh seul ne pouvait pas, entre guillemets, irriguer, nourrir le cœur et le guérir de sa sécheresse. Il a vu que le monde musulman de l'époque souffrait d'une sécheresse terrible. Parce qu'il a, comme je vous l'ai dit au tout début, dans sa, les extraits de sa biographie, qu'il a subi lui-même la déchéance des fuqaha de son époque. Il a vu comment les fuqaha pouvaient vendre la parole de Dieu à vil prix. Donc il a bien vu que le fiqh seul ne suffisait pas. Au contraire, ça pouvait être un voile. Et là, dans sa réforme, il a jugé utile, et bon, c'était peut-être une inspiration lumineuse, d'aller vers ce qu'on appelle l'audition spirituelle, As-Sama', qui est un messager qui vient de ce qu'on appelle la fitra, la nature primordiale, l'univers de Alastu bi Rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur. Il appelle le cœur vers la hadra, vers la présence seigneuriale. C'est pour ça qu'on l'appelle Sama', l'audition, parce qu'on l'entend par le cœur. C'est-à-dire, vous pouvez parler n'importe quelle langue, quand vous entendez Sama', il agit en vous. Pourquoi ? Parce qu'il appelle à l'amour de Dieu. Il nous rappelle l'absolu. Tashawwaqat ruhi li shatt al-wadi. فأنا ذا ربي خذ بيدي عشقت الإله ولا صبر لي حرقة حبه في الفؤاد une قصيدة de سيدي محمد الحراق تريد يا فقير تعمر سواق راسك انت عبيد مصير مالك حكام في راسك ترضى ولا تتخير حتى طيب الفاسك سلطان في حضرتنا jusqu'à ce qu'il pourriez très bien bien sûr alors bien sûr il nous parle ici de ce lien entre le serviteur et le Seigneur quand il est dans la présence seigneuriale, dans le zikr, dans l'invocation de Dieu, comment le fuqayr, c'est-à-dire le petit pauvre, l'indigent, parce que Allah nous appelle dans le Coran le fuqara, vous êtes les indigents, Allah n'a besoin de personne, vous avez besoin de lui, ce sentiment de besoin, comment tu peux toi, tu dois toi te remettre à Dieu. Il nous parle d'amour en mettant en avant Layla, en utilisant des prénoms féminins. Il nous parle de l'ivresse. Et là, on ne parle pas de l'ivresse matérielle, l'ivresse spirituelle, l'extase. Quand on est avec Dieu sans attache, quand on est ivre par Dieu, par cet amour de Dieu, puis ensuite, on a ce sahou, c'est-à-dire cet éveil par Dieu aussi, cet amour de Dieu, pour Dieu, par Dieu, qui vient de Dieu, de la grâce de Dieu. Sans que nous-mêmes on puisse faire l'effort, parce que c'est une grâce de Dieu. On se donne à Dieu sans attendre de retour. Et lui, il est le plus généreux, donc le retour, il est... Et tout ça, c'est inscrit dans ce patrimoine immatériel qu'on appelle Sama', l'audition spirituelle. C'est inscrit. Et quand les gens le répètent avec cette mélodie, qu'on appelle Maqamat al-Musiqiyya, et dans le cas de l'Harraq, il s'est beaucoup inspiré de Kounash al-Haïk, qui avait compilé 11 naubas andalouses, et lui, il a pris les naubats, Ram al-Maya, Ghribat al-Hussein, etc., et l'a transformé. Il a utilisé la poésie profane pour la transformer en poésie spirituelle, pour servir la cause de Dieu, pour appeler les gens vers Dieu, pour attirer les gens vers Dieu, avec le Jamal. Donc, cette beauté du Sama', elle attirait vers Dieu. Elle frappait les portes des cœurs. Il y a des gens même qui, en allant vers ces aouïas, il entendait ce chant spirituel et il était ivre. Et il sentait quelque chose dans son cœur. Pourquoi ? Parce que là, il n'y a pas débat ou échange de parole contre parole, intellect contre intellect, orgueil contre orgueil. Là, c'est le cœur. On fait appel à une fonction subtile qui est la lumière du cœur. L'intelligence du cœur, la sagacité. Il a beaucoup développé la notion du cœur. Je pense que vous pouvez le lire et le relire. J'ai même dressé un tableau des fonctions qu'il a données au cœur. Et le Sama', justement, il est directement lié
à ce cœur, à ce sentiment intérieur. Et là, il y avait à son époque des non-musulmans, notamment des juifs de Tétouan, qui rentraient dans ces zaouïas. Et en entendant ce sama, en entendant cette audition spirituelle, il réagissait, le corps réagissait, l'esprit réagissait. Pourquoi ? Parce que ça te rappelle cette nostalgie à la soberbe, comme le monde où on nous disait, où le Seigneur nous posait la question, verset surat al-Araf, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et vous avez répondu oui. Donc, ce hanin, cette nostalgie à cette période, à cette réponse positive qu'on a donnée à notre Seigneur, cet engagement, ce qu'on appelle dans le sophisme le pacte initiatique, eh bien, il a fait que plusieurs personnes sont retournées vers Dieu, qui n'étaient pas musulmans, qui ont pris le pacte et devenu non seulement musulmans, mais moumine muhsin. Ils ont évolué dans les stations de l'islam, dans le hadith de Jibril, de l'islam, une simple soumission à Dieu, vers une adhésion des cœurs, c'est-à-dire la foi, l'iman, vers l'excellence, ihsan, l'adoration avec excellence, adore Dieu comme si tu le voyais, certes, si tu ne le vois pas, lui, il te voit, juste à travers ses mains. Il n'y a pas eu de parole, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de conviction, il n'y a pas eu de... C'est juste ses mains. Et une nouvelle chose qui n'existait pas avant lui, Al-Harraq utilisait la musique, les instruments. Mais bien évidemment, il y a un débat entre les jurisconsultes. Vous lirez l'épître du frère de moi, de Abu Hamid al-Ghazali, Ahmad al-Ghazali, qui a écrit justement sur la musique et les divergences des savants sur la musique, autour de la musique. Al-Harraq lui-même a développé les arguments pour la musique instrumentale, si et seulement si elle est utilisée pour ses bonnes fins, pour cette noble cause. Et donc il n'était pas ignorant, c'était un grand savant. Quand il a mis en avant cette thérapie, c'est une thérapie. Il savait très bien que, justement, il allait avoir des détracteurs, des juristes de son époque, qui étaient encore jaloux du destin incroyable que ce grand maître juriste Sofi a eu. Et il a développé des arguments pour, justement, ou en faveur de l'utilisation de la musique, si et seulement si elle est pour la cause de Dieu. Et il a utilisé le fameux verset coranique, et je vous ai dit qu'il était un commentateur du Coran. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ يُضِلَّ النَّاسَ بِغِيرِ عِلْمٍ. Il disait, لَهُ الْحَدِيثِ, qui est cité dans ce verset coranique, la parole divertissante, c'est toute parole divertissante, mais il faut la lier à la cause de l'interdiction, qui est يُضِلَّ النَّاسِ, égarer les gens. Ici, on n'égare pas les gens, on attire les gens vers Dieu, justement. Et donc, la parole divertissante, elle peut avoir un rôle éducatif, un rôle d'élévation spirituelle. Et cette élévation spirituelle, sa mère, on la retrouvera plus tard, et c'est ça la preuve que sa méthode a bien marché, on la retrouvera à la fois chez le profane, dans les événements maoulid, naissance, mariage, etc., mais aussi chez dans les mosquées, les grandes mosquées et les grandes zaouïas. Sur le plan politique au Maroc, vous nous avez indiqué que Mohamed Al-Harraq avait une position très diplomatique vis-à-vis du pouvoir central. De la même façon, il était très engagé moralement et humainement pour toutes les luttes, notamment au Maghreb, contre les différents envahisseurs, que ce soit les envahisseurs espagnols ou les envahisseurs français. Et vous avez même évoqué ce rapprochement qui a eu à un moment donné avec l'émir Abdelkader. Finalement, avec Mohamed Al-Harraq et les soufis du 19e siècle, nous avons le sentiment que les menaces qui pèsent sur le monde musulman, tant en interne qu'en externe, sont de nature à mettre magistralement en lumière la dimension sociale, humaine, des spirituels de cette époque, et leur mise en première ligne pour la défense des intérêts de la communauté. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Tout à fait, tout à fait. Alors j'ai cité quelques exemples pour démontrer, j'ai cité dans la thèse des exemples pour démontrer qu'on était face à un sophisme humaniste. Je ne sais pas si on peut faire cette empreinte, emprunter ce mot, sophisme humaniste. Parce que justement, Mouassesset Zawiya, l'institution de Zawiya, n'était pas seulement un lieu de culte, un lieu où on fait le dhikr et on y va, non. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de générosité, où on donne à manger aux pauvres, on donne à manger à l'indigent,
On donne à manger aux passagers qui passent, quelle que soit sa religion, sa culture, sa langue, sa tribu, sa nation. C'est un lieu aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de transmission de science utile. C'est un lieu de spiritualité par excellence. Et donc, c'est un fief de l'époque du djihad. Le djihad au sens noble du terme, c'est-à-dire la résistance contre l'oppresseur, contre l'envahisseur. Al-Harraq, il avait une position très diplomatique, par exemple, lorsque Al-Qaïd Ash'a de Tétouan, qui était à l'époque, qui menait avec une main de fer, qui avait une espèce de tyrannie, une espèce d'injustice, Al-Harraq n'a pas voulu, entre guillemets, la confrontation. Une fois, il était avec son disciple, invité à la table de ce Qaïd, de ce gouverneur, oppresseur, tyran. Et il a dit à son disciple, toi tu ne manges pas. Et je vais te dire pourquoi après. Al-Harraq, il a mangé, il a souri, il était, on va dire, il a joué le jeu. Son disciple était très en retrait. Après, à la fin, le disciple s'exclame, il demande à son maître, il dit, « Oh maître Al-Harraq, moi je n'ai pas compris votre attitude parce que vous étiez invité chez le tyran, vous avez mangé de son repas, vous m'avez demandé de ne pas manger, ce que je comprends, mais vous avez mangé, et je n'ai pas compris. Al-Harraq lui répond sur deux plans, il lui a dit, déjà sur le plan de la charia, pour moi je n'ai fait que manger ma part de Bayt al-Mal, du trésor des musulmans, parce que nous, Ahl al-Bayt, nous les descendants du prophète, on a une part de Bayt al-Mal muslimine. Ce n'est pas une sadaqa pour moi, ce n'est pas une aumône, c'est tout simplement une part, j'ai considéré comme ma part, et je vais aussi donner des aumônes et demander pardon à Dieu. Et d'autre part, si je n'avais pas fait ça, ce tyran va continuer sa tyrannie et va être encore plus injuste envers mes frères. Ce que j'ai fait, c'est pour justement réussir à avoir une position confortable auprès de lui, pour pouvoir intercéder auprès de nos frères d'Arqaoui qui sont en prison. Et il a réussi à libérer un certain nombre d'opprimés des prisons de ce gouverneur. Plus que cela, il a même réussi à convaincre ce gouverneur de cesser certaines injustices et d'ouvrir certaines zawiyas et certaines mosquées. Il a dit, si toi je t'ai demandé de ne pas manger parce que l'argent de ce monsieur n'est pas licite, c'est l'argent des autres. Donc vous voyez, il a cette conciliation, cette diplomatie, et il l'a fait aussi dans d'autres occasions. Il a envoyé des lettres au sultan, vous imaginez, au sultan. Une lettre à la fois qui dit... mon cher sultan shérif, parce que le sultan était de généalogie shérifienne, donc il remonte au prophète Lassama par Sidna al-Hassan ibn Ali, et Dieu sait, Al-Harraq, comment il aime la famille du prophète, parce que tout le sunnisme, évidemment, il le dit dans ses épîtres, tout le sunnisme est basé sur l'amour de la famille du prophète Lassama, parce que c'est celui qui aime la famille du prophète, il aime le prophète Lassama. Donc c'est ce fameux amour pour l'Ahl al-Bayt n'est pas juste la chaise gardée des chiites, ça fait partie intégrante du cœur même du sunnisme. Et donc il s'adresse au sultan de son époque, à la plus haute autorité de son époque, avec d'abord égard par rapport à sa position, mais aussi en conseil, et lui dire, vous êtes le garant de nos libertés, de la justice, et je vous conseille par Dieu d'avoir pitié de vous-même pour le sort qui vous sera réservé, parce que vous n'êtes pas éternel. Et il le dit avec des mots magnifiques, et au point que le sultan, justement, va être intrigué, va accueillir favorablement cette lettre. Et va avoir du respect pour ce personnage, et ça va être une facilité pour lui pour justement continuer dans l'appel à Dieu, continuer à attirer les gens vers Dieu, continuer à œuvrer comme il l'a fait dans ce renouveau, à la fois dans la jurisprudence, dans le fatwa, dans la transmission de la science religieuse, et aussi
dans l'initiation spirituelle qu'il a excellé avec cette méthode de grâce, de beauté, parce qu'il a dit « Moi, j'ai eu cette voie par la grâce et je ne guide que à travers cette grâce et non pas par la rigueur, mais la douceur, la bienveillance, l'élégance. » Mohamed El-Harak, homme du 19e siècle, période charnière qui aboutira à de profonds bouleversements, de profondes transformations dans la société musulmane, tant du Maroc que d'ailleurs. Harak soufi épris de beauté et d'authenticité, marque-t-il la fin des derniers chevaliers de l'islam? Que pourrait-on finalement retenir du témoignage de sa vie et de son exemple comme message d'espérance pour les hommes et les femmes de notre siècle, si bouleversés lui aussi? Alors, je suis optimiste et je ne pense pas que ce soit la fin. Pour moi, il y a des cycles. Dans la spiritualité, on appelle ça des cycles. Il y a des cycles d'épreuves, des cycles de crise, des cycles de grands hommes. Et le renouveau, comme l'a dit le hadith, il est à chaque fois, chaque siècle, il y a ce renouveau, à la fois spirituel, à la fois intellectuel, à la fois dans les domaines de sciences exotériques et dans les domaines de sciences ésotériques. Donc, je ne pense pas que l'Harak n'est pas une fin. L'Harak était un modèle. Et de ce modèle s'est inspiré ceux qui sont venus après lui et continueront à s'inspirer ceux qui ont eu le privilège de connaître ce patrimoine immatériel riche, précieux. Il faut retenir de ce témoignage justement que ce renouveau au 19e siècle du soufisme confrérique est repris aujourd'hui. Si on naît encore une fois dans cette sagacité, dans cette intelligence du cœur qui consiste à voir le bas monde comme il est, comme une passerelle, et non pas comme une fin. Si et seulement si on voit la créature de Dieu comme étant la manifestation de sa lumière, et non pas un opposant ou un obstacle. Les créatures de Dieu sont à la fois la porte et le voile. Harak le dit autrement dans ses sagesses. Vous savez, il a aussi des sagesses que j'ai compilées ici. Il dit qu'une créature peut être ton obstacle vers la connaissance de Dieu, puisqu'elle t'a bloqué. Pourquoi? Parce que tu l'as méprisée. Tu n'as pas vu en elle la lumière de Nafra, Nafra fihim ruhi, le souffle qui est cité dans la sourate Sejda. Et donc tu es bloqué. Tu ne peux pas accéder à la connaissance de Dieu parce que tu as été entre guillemets, méprisant envers sa créature. Tu n'as vu dans cette créature que l'argile, comme Satan n'a vu dans Adam que l'argile. Les anges ont vu cette lumière de Nafra, de l'insufflation de l'esprit, Nafra fihi min ruhi. Satan n'a pas vu cette lumière. Il a vu l'argile. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Il n'a pas vu ce qui était au-delà de l'argile. Il ne faut pas qu'on tombe dans le même piège, nous dit le Harak. Il faut voir par l'œil du cœur cette lumière qui est en chacun de nous. C'est pour ça que la créature peut être la porte vers la connaissance de Dieu. Si on considère cette créature comme un partenaire, comme un levier même, comme une, entre guillemets, quelqu'un qui vous aide à connaître Dieu, à travers justement l'entre-connaissance, qui est une exigence coranique. Il appelle les gens, tout le monde. On vous a créé d'hommes et de femmes, on a fait de vous des tribus et des nations pour que vous vous entre-connaissiez. Et si, par malheur, tu as de la déconsidération, du mépris pour cette créature, c'est le voile. Tu es voilé de la seigneurie, de la présence seigneuriale, parce que tu n'as pas vu les ayats, les signes de sa beauté. Et donc c'est ça à quoi nous appelle Al-Harak. Et c'est ce message-là qui est éternel. Aujourd'hui, dans ces temps de crise, dans ces temps de doute, dans ces temps de la consommation aveugle, dans ces temps de guerre, pour avoir la paix, il faut revenir à cette fonction de purification qu'est le soufisme, éclairé, authentique. Il faut revenir à ce regard, à cette considération de l'être humain
comme étant une lumière de Dieu. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa culture, quelles que soient ses origines, tu peux, grâce à cet être humain, entre guillemets, voyager. Le voyage ascensionnel, à travers cet être humain. On a fait les uns aux autres une épreuve. Est-ce que vous patientez? Et la patience ici, c'est pas juste la patience au sens littéral du terme. La patience, c'est aussi le fait d'aller vers l'autre, de servir l'autre. Il en parle, Harak, dans ses lettres. Servir, c'est le dhikr le plus élevé. C'est la clé de l'amour divin. Quand tu sers l'autre, tu t'abreuves des lumières seigneuriales. Parce que derrière, il y a le Seigneur. Tu n'as pas servi cette personne-là. Tu n'as pas rendu service à cette personne en particulier. Au-delà, tu t'es mis en soumission à ton Seigneur. Tu as manifesté de l'amour à ton Seigneur qui a créé cette personne-là et qui te l'a envoyé comme épreuve pour savoir comment tu vas agir envers cette personne. Et donc, le message, il est clair. Aujourd'hui, dans ce monde trouble, nous pouvons renouer avec la chevalerie. Futu, au sens noble du terme, au sens profond. On peut renouer avec les 9 stations de la certitude. Maqamat al-yaqin, dante la plus haute et l'amour. On peut aujourd'hui réussir cette paix intérieure pour véhiculer la paix extérieure. À travers quoi? À travers la beauté. C'est le message de l'Haraq et c'est ce que j'ai retenu et c'est ce qui m'a fait travailler sur ce sujet. C'est la beauté parce que je suis depuis tout petit attiré par la beauté. Et la beauté, c'est, je ne parle pas que de la beauté extérieure, la beauté intérieure. Le fait d'être une émanation, une manifestation de sa beauté. Pourquoi? Parce que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah est beau, il aime la beauté. C'est un hadith magnifique. Qu'on ne médite pas assez, qu'on ne met pas en avant aujourd'hui dans nos mosquées, dans nos conférences, dans nos ateliers. On a souvent, quand on est face à des, entre guillemets, fuqaha d'aujourd'hui, on est face à un Dieu punisseur, un Dieu qui maudit, un Dieu qui est en colère. Et on a besoin aujourd'hui de montrer aux gens la beauté divine, la miséricorde divine. Rahmati sabaqat ghadabi. On a vraiment un grand besoin aujourd'hui de remettre l'espoir au cœur de nos témoignages. L'espoir, l'amour, la miséricorde, à travers la générosité de votre esprit et à travers cette méthode de la beauté. Et cette méthode de la beauté, c'est l'épreuve de l'autre en fait. L'autre est une école, l'autre est un tremplin, l'autre est une passerelle vers Dieu. L'autre est ta bouée de sauvetage finalement, ce n'est pas ton ennemi. Même l'Harraq dit plus que ce que vous imaginez. Ton ennemi est la clé de ton succès. Conformément à la parole divine, idfa bilati ahsan fa idal ladhi baynaka wa bayna adawatik annahu waliyyun hamim. Réponds au mal par ce qu'il y a de meilleur. Alors celui qui a une animosité envers toi se transformera en ami intime. C'est là l'alchimie de l'amour. C'est-à-dire que cette personne-là qui te vouait de l'animosité, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, et c'est avec ça que je termine. Le faqih, vous rappelez le complot des fuqahs. Et donc, le Harraq, qu'est-ce qu'il a fait face à ces fuqahs qui l'ont malmené, qui l'ont comploté contre lui, qui l'ont accusé d'adultère, qui l'ont diffamé, qui ont causé sa ruine matérielle et aussi psychologique? Eh bien, à la fin, ces gens-là, quand le sultan lui a donné les honneurs qu'il méritait, ces gens-là redoutaient sa vendetta, on va dire, sa vengeance. Ce n'était pas comme ça. Il les a reçus et il a écrit, quand il y a eu, par exemple, les débats que j'ai cités ici dans l'ouvrage, dans la thèse, quand il y a eu les débats scientifiques, il les a cités élogieusement comme étant des chouyours de ilm vénérés et respectés au point que eux-mêmes ils se sont exclamés de cette attitude. Ils ont dit, mais quel être humain celui-là pour oublier tout ce qu'on lui a fait et en plus nous honorer. Et il a dit, parce que vous avez en vous la parole divine, le Coran, etc. Donc par cette parole-là, moi je vénère Dieu.
Et ils ont eu une leçon magnifique de pardon, comme Sidna Youssouf envers ses frères lorsqu'il leur a dit « Vous êtes pardonnés. La tathriba alaykoum, al-yawma yaghfirullahu lakoum. » C'est cela le vrai faqih. C'est cela le faqih soufi. C'est cela ce qui nous manque aujourd'hui. C'est avoir cette conciliation entre justement le fiqh, la science, le besoin intellectuel, le besoin du cœur, irriguer, nourrir cet organe subtil qui est le cœur, et le besoin du corps. Ces trois dimensions de l'être humain ont besoin d'être irriguées, ont besoin d'être alimentées, entretenues en même temps dans un équilibre harmonieux pour arriver justement à comprendre les signes de Dieu et à s'élever de la nature argileuse qui nous bloque parfois, qui fait obstacle, qui est une entrave à notre ouverture spirituelle, à notre vision de la réalité comme elle est, et donc à la paix intérieure, vers justement la libération. Tahrur, se libérer des joues de nos passions, se libérer de l'ego, se libérer du piège justement de s'arrêter avec l'épreuve de l'autre. Comme disait al-Harraq lui-même, il disait en commentaire à cette sagesse de Ibn Atta Allah, il disait « Quand tu es éprouvé par quelqu'un, sache que ce n'est pas lui, c'est celui qui l'envoie, qui veut que tu reviennes vers lui, c'est-à-dire Dieu. » Merci pour cette très belle conclusion. Est-ce que vous avez un projet de faire éditer votre thèse ? Tout à fait. Alors, la thèse sera éditée. On est en discussion avec plusieurs maisons d'édition. Elle sera éditée en entier, puis ensuite en chapitres, notamment le chapitre concernant les épîtres Rasa'il, qui sont au nombre de 50, d'une part. Et ça, c'est la partie purement, on va dire, intellectuelle. Et puis, une autre partie purement jurisprudentielle, puisque Al-Harraq nous a légué un ouvrage magnifique qui a été compilé par son élève, le Mahdi Belkadi, qui est un grand ouvrage de Nawazil, c'est-à-dire les fatwas sur l'actualité, en utilisant les références de l'école malikite traditionnelle. Il a été traduit et on va le mettre au grand jour. C'est un travail intellectuel très important, avec ses références, et je pense va enrichir notre patrimoine immatériel et va aider on va dire les chercheurs de vérité, les chercheurs en général, à mieux comprendre la richesse, la beauté de notre patrimoine immatériel. Merci pour votre travail. Merci à vous. Nous voici arrivés au terme de notre rencontre de ce soir. Tardir, merci de nous avoir éclairés sur ce personnage remarquable que fut Mohamed Al-Harraq, son enseignement et son message pour les hommes et les femmes de notre siècle. Vous serez le bienvenu à l'avenir si vous souhaitez venir nous présenter un autre de vos travaux. Je pense notamment peut-être à votre traduction du Murshid al-Mu'in de Ibn Ashir, ou bien votre belle monographie de l'imam Malik, le savant de Médine. Je tiens aussi à remercier M. Shamseddin Hafid, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs qui nous ont fait l'honneur de nous recevoir ici, à la mosquée, dans la bibliothèque de la mosquée. Je remercie de plus toutes celles et ceux qui ont participé à la réussite de ce WebGemA, la régie technique, les équipes de programmation, de communication et de traduction. Cher public, merci de votre fidélité. Nous vous souhaitons une belle fin de soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt, Inch'Allah.